Bonjour à tous, aujourd'hui sur Côté Croisette, nous recevons la maire adjointe du 12e arrondissement de Paris, Éléonore Slama, et maire du quartier Bel Air Nord. Bonjour Éléonore. Bonjour Christelle. Merci d'être avec nous. Vous allez animer cet après-midi une conférence autour de l'usage de la ville existante et de demain. Vous allez également révéler des projets pilotes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les enjeux de cette conférence ? Merci déjà Christelle pour votre invitation. Alors moi en effet j'ai fait de la lutte contre le gaspillage des mètres carrés en ville mon combat. Et dans le cadre de l'Université de la Ville de Demain, j'ai créé une action collective pour intensifier les usages de la ville existante et à venir. Et très vite, j'ai été rejoint par Paris & Co. Et ensemble, nous avons réuni un groupement d'acteurs publics et privés pour intensifier les usages de la ville existante et à venir. C'est un groupe très divers, très puissant, qui recouvre à peu près tous les champs de la fabrique de la ville. Côté public, nous avons pas moins que la direction de l'immobilier de l'État, la ville de Paris puisque je suis élue parisienne, SNCF Immobilier et côté privé, Novaxia, JLL, SFL et Bouygues Construction avec sa filiale Link City. Il faut bien comprendre les enjeux sur le sujet, ils sont importants. À plus de 70 à 80% du temps, dans des espaces que chacun de nous fréquente au quotidien, je pense à l'école, au bureau, aux équipements publics, eh bien, il ne se passe rien, strictement rien, et personne ne les utilise. Et aucun territoire n'est épargné, pas même les territoires très attractifs comme Paris et sa métropole. Et on considère que ces mètres carrés sous-utilisés, ce sont aujourd'hui une chance. Ce sont autant de surfaces à intensifier, autant d'espaces à rentabiliser. Et c'est toute l'ambition de notre collectif, faire de l'intensité d'usage la nouvelle norme de la ville existante et à venir en multipliant sur une même surface eh bien, une diversité d'usages par la chronotopie, la réversibilité, l'hybridation. Et notre méthode, elle est simple. Elle consiste déjà à mesurer et outiller en créant un indicateur universel, la première échelle de mesure de l'intensité d'usage des bâtiments et des espaces qu'on mettra en place gratuitement et qui sera ouvert à tous dans les prochains mois, avec accompagné d'un guide de solutions et de bonnes pratiques pour que chacun puisse s'emparer de ça et mettre en œuvre l'intensification des usages de leurs bâtiments et de leurs espaces. Et on souhaite déployer des projets pilotes pour prouver, pour montrer que cela est possible. Et enfin, embarquer tous les acteurs du monde de la ville pour véritablement changer d'échelle sur ces questions. Et justement, pouvez-vous nous parler un petit peu plus en détail d'un des projets pilotes ? Oui, alors déjà, peut-être, qu'est-ce qu'un projet pilote ? Un projet pilote, c'est deux choses. Déjà, un site sur lequel nous allons tester en avant-première cet indicateur universel pour caractériser l'usage du bâtiment. Et puis, les propriétaires, les utilisateurs du site, des sites choisis s'engagent à marquer leur volonté d'agir pour améliorer leur intensité d'usage. Et notre groupement d'acteurs publics-privés mettra la force de son collectif pour proposer des solutions concrètes, plus ou moins ambitieuses, eh bien, en fonction des contraintes et des sites proposés. Voilà, et donc il y aura des sites très divers qui vont être annoncés, par exemple une université, une grande université parisienne, une école, l'Académie du climat à Paris. Il y aura des projets sur Montpellier, une maison pour tous, un complexe sportif qui comprend à la fois un gymnase et une piscine, une médiathèque aussi sur Toulouse. Sur toute la France, on aura des bureaux. Et des sièges de bureaux. Un centre commercial, c'est un sujet important pour nous, puisque tous les actifs sont concernés, et puis plein de quartiers différents qui recouvrent encore une fois tout le territoire et pas que Paris. Et en termes d'urbanisme, comment la ville de Paris conçoit la ville de demain ? Alors, Paris aujourd'hui accélère sa révolution urbaine, en particulier avec le PLU bioclimatique dont on parle beaucoup. Ce PLU, c'est vraiment un outil, une philosophie, c'est un cadre au service de la ville de demain. Alors quelques idées fortes, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais quelques idées fortes peut-être. C'est déjà la fin de la démolition au profit de la réhabilitation. C'est aussi l'utilisation du réemploi. C'est la rénovation thermique des bâtiments, quels qu'ils soient. Et en tout cas, la ville prend sa part en rénovant massivement son parc social, qui est le patrimoine commun. Et nous allons continuer cet effort avec les copropriétés. C'est pour ça qu'on a lancé Éco-Rénouveau Paris Plus. C'est pour accompagner à la fois en termes d'ingénierie, mais aussi financièrement, les copropriétaires qui s'engagent dans la rénovation de leurs bâtiments. C'est aussi un objectif de végétalisation, avec le souhait d'avoir 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et puis bien sûr, l'adjointe en charge du logement du
12e arrondissement, on ne pourra pas ne pas en parler, mais c'est créer toujours plus de logements et de mixité sociale avec un objectif ambitieux. 40% de logements publics à Paris en 2035, 30% de logements sociaux, 10% de logements abordables, avec un principe, l'accélération du rééquilibrage entre l'ouest et l'est de Paris, et puis bien sûr des services publics forts, plus nombreux, des centres de santé conventionnés en secteur 1, des gymnases, des piscines, des bibliothèques, la petite ceinture aussi verte et sportive autour du périphérique. Voilà quelques-uns des grands projets qui accompagnent cette révolution que nous menons à Paris. Très bien, merci beaucoup Éléonore d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur Côté Croisette.